Aujourd'hui, c'est l'occasion de rendre hommage à l'un des artistes fondateurs de la modernité au Maroc, dans le domaine de la peinture. L'œuvre de Hassan Glaoui, avec des œuvres réalisées pendant la jeunesse de Hassan Glaoui, que le public va découvrir pour la première fois. Des œuvres qui proviennent essentiellement de son atelier. Donc, avec la volonté de restituer et de reconstituer son atelier et reconstituer également sa chaîne opératoire de production d'œuvres artistiques. Et enfin, des œuvres qu'on connaissait tous, des œuvres liées aux scènes de cheval et en Fantasia, à la sortie du roi, etc. Donc, c'est un parcours qui retrace la vie de Hassan Glaoui depuis début des années 20 jusqu'à sa disparition. En 2018. Comment qualifier la peinture de Hassan Glaoui, les peintures, la peinture et les couleurs aussi? Alors, le travail de Hassan Glaoui est un travail qui est lié à son biotope, à son sol de production. On a la possibilité de voir les différentes facettes de cet artiste, à la fois des artistes de jeunes, des œuvres de jeunesse qui sont réalisées avec une inspiration classique, moi je dirais, où il y avait des natures mortes, il y avait des ouvertures sur l'œuvre d'artistes européens, et après une confirmation d'un artiste comme Hassan Glaoui qui a travaillé sur le cheval, où on aura essentiellement des œuvres dans lesquelles on trouvera le paysage de Marrakech, la ville natale qu'il aimait, et également de son espace de vie en général. Ben écoutez, d'abord, comme vous savez, la Fondation nationale des musées est là pour défendre l'art du Maroc. Vous avez vu le nombre d'artistes importants qui sont venus aujourd'hui, que ce soit Mlihi, les ambassadeurs, les ministres. Tout cela fait que la Fondation devient un véritable trait d'union pour tous les artistes marocains. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la création, grâce à Sa Majesté Mohamed VI, de cette Fondation, aujourd'hui, les artistes reconnaissent le travail qui est fait et la promotion que cette fondation fait pour la culture et l'art marocain. L'exposition de feu Hassan Glaoui. Écoutez, c'est magnifique parce que on nous remet dans ce que j'appellerais l'univers Hassan Glaoui, mais un univers inconnu, parce qu'il y a des œuvres qui n'ont jamais été présentées. Quelle signification donnez-vous à cette exposition de feu Hassan Glaoui? Pour moi, étant sa fille, d'abord, je suis très touchée et très émotionnelle de faire cette première exposition. Mais elle est très importante car papa a habité beaucoup à Rabat et il a passé 50 ans de sa vie dans cette ville qu'il a beaucoup aimée. Et donc d'avoir cette opportunité au musée national Mohamed VI de faire sa première exposition muséale après son décès est une chose qui est très touchante mais très importante pour son travail. On a voulu absolument faire découvrir cette première salle qui était une salle remplie d'œuvres beaucoup plus intimes sur sa peinture qui était beaucoup moins connue par son audience qui aimait beaucoup ses chevaux. Mon père a souvent dit que si les gens pensaient qu'il était un peintre de chevaux, ils ne connaissaient pas sa peinture parce qu'il a toujours beaucoup aimé faire les portraits de sa famille, peindre des paysages, peindre toutes les scènes intimistes qu'il avait autour de lui. Et j'espère que les gens en sortant de cette exposition auront une impression différente et beaucoup plus complète de son œuvre de travail. Une impression venant comme ça au Maroc pour célébrer le beau, pour célébrer la qualité des œuvres africaines, d'avoir aussi avec Hassan Glaoui, un des grands peintres africains, hein, quelqu'un qui est, comme toute la famille Glaoui, su marier les enseignements ou certains enseignements de l'Occident avec sa beauté, son origine, sa volonté de traduire les beautés du Maroc et les beautés de l'Afrique. On a là vraiment quelque chose de très beau, de très lumineux et c'est bien de mêler les lumières du Maroc et les lumières de l'Afrique.